Donc c'est bon. Donc on se retrouve pour la limousine blindée. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà il vous faudra faire vous descendez. Ah oui, donc normalement dans votre téléphone vous aurez Securo Serve. Donc vous êtes dessus. Donc ça c'est pour les invitations des bah, pour des combats ou des petites bières entre bah, entre potes et tout. Donc normalement si vous descendez vous aurez Securo Serve gros bonnet. Donc vous êtes dessus. Donc normalement vous allez sur vous choisissez l'organisation tout ça. Donc moi ça s'appelle Jazz 212. Donc vous avez des missions à faire. On a des défis, on a des compétences. Vous pouvez lâcher des trucs, et ça je vais vous montrer. Vous pouvez démissionner. Vous pouvez gérer l'organisation, donc le style. Regardez, vous pouvez vous mettre bah, comme vous voulez. Voilà, donc c'est vous quoi. Police et tout. Enfin franchement c'est vraiment trop stylé. Là, vraiment des nouveaux vêtements en plus que je vais vous montrer après. Parrain. Ah, j'aime bien cette veste. Maintenant du pétrole. Ok. Ok, d'accord. Un truc chinois. Oh, celui-là il est stylé. Bon, on va le garder, hein. Et donc bah vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer la limousine blindée. Donc, vous pouvez lâcher des bulles de shark. Donc normalement ça atterrit devant moi. C'est moins mille mais bon. Voilà, pour vous battre, vous avez plus de force, tout ça. Après vous avez les lâcher des munitions, lâcher protection. La limousine armée, qui coûte 20 000. Sinon elle coûte je ne sais plus combien, mais je vais vous montrer. Donc ça c'est gratuit. Vous pouvez demander un busard, mais il est gratuit, donc vous pouvez en profiter. Il va spawner derrière vous. Donc là, il y a plein d'autres véhicules. Organisation fantôme, ça n'est pas disponible. Ça, je sais pas ce que c'est. Soudain, les autorités. Ouais, donc ça, c'est pour la police fermera les yeux pendant que bah, vous vous battez avec d'autres organisations criminelles. Et ça, c'est pour observer les gardes du corps, comment ils font, enfin tout ça. Ouais. Donc après, je vais vous montrer la limousine blindée. Si je la trouve, elle est là. Donc, c'est la limousine armée, elle coûte 20 000. Mais c'est, je crois, c'est à chaque fois que vous la prenez. Donc, on va la prendre. Elle est là. Voilà, merci, ça s'est enlevé. Elle est vraiment. Ouais, elle est stylée en plus, elle est bord blindée et tout. Et le minigun, bien sûr, sur le toit. On va tester ça. On va tester sa vitesse quand même. Car apparemment je pense qu'elle a si je vois bien, je sais pas, peut-être 6 places. Donc c'est une limousine quoi. Ok, donc elle va assez vite quand même. On peut pas dire ça quoi. On peut pas dire qu'elle va pas vite. Elle veut juste. Ouais, elle est bien. Je sais pas si elle est résistante aux explosions, puisque si elle est blindée, bah elle résiste aux explosions normalement. On va tester le minigun. Voilà, on va tester. Donc vous montez à l'arrière, vous restez appuyé sur triangle. Et normalement, si je fais flèche de droite, il va monter. Et normalement, il y aura le minigun qui est vraiment stylé. Donc ça, minigun normal, beaucoup de dégâts d'ailleurs. Ouais, d'accord. Et ça explose des véhicules en pas beaucoup de temps. On va voir celui-là. Quelques petits tests. Ok, je vois que ça résiste beaucoup. On va vite fait appeler le stir comme ça. Donc franchement, c'est bien. On va tester si. Je vais voir si les. Je crois que les vitres elles sont blindées. Je ne pense pas d'ailleurs. En fait, je sais pas. Donc, ouais. Ah oui. En fait, je crois que les vitres sont blindées. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est trop bien ça. Si on tire dessus ou quoi, bah ça sera blindé. Par contre, je sais pas si à un moment elle se casse. Ah. Ah oui, à un moment elle se casse. Et c'est quand même bien parce que vous avez des vitres blindées quoi, regardez. Vous voyez? Là aussi, bien sûr, c'est blindé. Hein. Je sais pas si les roues sont crevables. Ah, les roues. Les roues ne sont pas crevables. Bah elle est vraiment blindée, hein, cette limousine armée. Donc maintenant, on va passer. Pour voir, d'ailleurs, on y va. On va passer pour voir les nouveaux vêtements qu'il y a. J'espère qu'il y a de nouveaux trucs.
Enfin, j'espère qu'il y a des beaux habits, quoi. Voilà. Ok, comme j'ai dit, le frein, c'est pas trop ça. Ok, comme elle s'est calée. Donc, on va voir s'il y a de nouvelles tenues. Ah, est-ce que participer à une mission? Ok, donc, en gros, je dois enlever ma tenue que j'ai. Est-ce que c'est là? Style. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles tenues? Non, il n'y a pas de nouvelles tenues. Il y a juste la tenue Low Rider et les tenues de luxe qu'il y a. Donc, on va voir les nouveaux freins, pantalons. Ah, il y a de nouveaux shorts, apparemment. Oh, ah oui. Ils sont stylés, quand même. Ah, celui-là. Ah, c'est des shorts de bain. Ouais, c'est stylé. J'aime bien lui. Lui aussi. Je le prends en cas où, voilà. Très glissant, on s'en fout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. On va aller voir les hauts. Parce que je pense qu'il y a des hauts, quand même. Les hauts. Ah. Vêtements décontractés. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Oh, il y a des peignoirs. Des peignoirs. Ah, ben, c'est ça qui manquait à ce DLC. Des peignoirs. Ah ouais, ça prend... Ah, ils sont stylés. Ah oui, oh, ceux-là, j'aime bien. Ouh, celui-là, il est stylé. Vert, olive, rouge. Oh, il y a des pyjamas. Il y a des pyjamas. D'accord. D'accord. Ouh, il est stylé, celui-là. Et il y a le pyjama en soie noire. Qui sont vraiment très, très stylés. Oh là là, il y a des peignoirs, tout ça. Donc... C'est stylé. Si vous voulez, vous pouvez balader dans la rue comme ça. Presque à poil en peignoir. T-shirt. Alors, il y a des nouveaux t-shirts apparemment. Je sais pas où il y en a. Non. Ça doit être moi peut-être, non? Il n'y a pas de nouveaux t-shirts. Je pense pas. Pourquoi il y a une étoile alors que j'ai... Je sais pas. Ah oui, les peignoirs, ils sont... Ah, ils sont stylés. Il y a de nouvelles chaussures ou pas? On va voir ça. Non. Pas de nouvelles chaussures. Franchement, c'est vraiment stylé. On va s'habiller. Bon là, pour être décontracté, on est décontracté. Hein. C'est vraiment... Ah, oh, j'aime bien les peignoirs. Ouais, j'aime bien les peignoirs. Ouais. Stylé, assez stylé. Bon, on se retrouve après pour voir les armes. Et voilà, donc on se retrouve pour voir les nouvelles armes. Ou l'arme, je sais pas s'il y en a plusieurs ou une. C'est bon. On arrive en peignoir dans le magasin d'armes. Est-ce qu'il y a des nouvelles armes? Et oui, il y a le revolver lourd. Je dirais un... Comment dire? Vous savez, dans les Call of Duty, c'est les... En zombie, je crois, c'est dans Black Ops 2, il y a les pitons. Ben, c'est celle-là, je pense. Variante gros bonnet. Ouh! Variante garde du corps. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ben, je vais mettre celle-là, bien sûr. Hein. Ok, oh, j'adore. Oh, franchement, elles sont trop belles. Donc là, ah, il y a une nouvelle arme. Le cran d'arrêt. Oh, bah, on va dire que c'est un couteau. C'est une opinelle. Oh, oui, j'aime bien celle-là. Variante gros bonnet et variante grande carte du corps. Ah, oui, oh, c'est très beau celle-là. Et là, la hachette. Il n'y a pas de nouveau truc en bas, non. Peut-être pas, mais bon. Toujours pas. Bon, on va aller tester les armes. Hein. Donc, je pense que le revolver lourd va faire assez mal. Il est là. Ouh, il est stylé. Franchement, trop beau. Là, vous avez l'air d'un riche. Alors, de loin, est-ce qu'il one shot ou pas? Ok,
c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd, très lourd. Et après, il y avait le cran d'arrêt qui est aussi stylé. On va le tester sur quelqu'un qui se barre d'ailleurs. Ok, on va tester ça. Ouh, elle est morte direct. Il coûte pas cher, je vous le conseille. Hein. Bon couteau. Je vais prendre le revolver lourd. Moi j'ai pas le. Moi je l'ai pas. Capsi bug. C'est pas grave. En plus il recharge assez vite quand même. Mais attendez, si je peux. Mission, compétence. Là c'est des protections. C'est bien ça. Oh ouais, il one shot. Ah franchement, celui-là aussi je vous le conseille. Hein. Il est vraiment trop trop bien. Ouais. Très beau. Ok. Celui-là aussi je vous le conseille. Hein. Voilà. Oh, je suis mort. Voilà, bah je pense que ce DLC va plaire à tout le monde. En plus, franchement, il y a des beaux trucs. Limousine armée, tout ça. Ouais, franchement, c'est beau. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit ciao. Et vous pouvez liker, abonnez-vous et faites ce que vous voulez sur ma chaîne. Hein. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.